Bonjour Gérard, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pascal. Bonjour. Allez, ben on est parti alors. Ouais, destination Reims. Reims, ouais. Dans un premier temps. Allez, je vais fermer la porte. Vas-y. Voilà, c'est bon. Donc, okay. Premier vol dans Charlie Papa. À toi ? À moi, ouais. Ah bon ? Eh oui, c'est tout le but de la manœuvre aujourd'hui. Six moteurs froids, je mets en route et puis on laisse tourner un peu. Hein. Alors, plein gaz, mixture Paris, pompe électrique Paris. Personne devant. Bah alors, on va faire notre petit plan de vol. Qu'est-ce que j'ai dit avant, on a dit. Passer par Utella, hein, c'est ça, on a Utella, dit oui. Ouais. Donc là, plan de vol. Tac, LFPL. Là, on va mettre LFPL. Alors, PL, on va prendre écho. Hein. PL, écho. Ensuite, on va faire Utella. C'est super simple aujourd'hui. Hein. Ah ben là, oui, comme ça. Utella. Et ensuite, LF. Le... Et voilà. C'est juste Golf, c'est ça, bonjour. On doit aller faire, je reviens sur mon plan. Voilà, c'est bon. Bravo Québec, nickel. Rebonjour, piste dégagée. Bravo Québec, rebonjour, vous l'équitez aux aiglons, bonne journée. On roule et on quittera aux aiglons, merci, bonne journée également. Yo. Pareil, hein, si toi tu as besoin que je mette un peu plus, tu me le dis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai envoyé un petit mot à Régis, Jean-Luc. Ah, super. Ah oui, tu l'as envoyé, tu lui envoies aussi une photo, non ? Ah oui, avec une petite image, ouais. Là, je vais la reprendre, je vais en prendre une là, justement. Alors tu vois, en vol aussi, on aura, tu verras tout à l'heure, donc là quand tu seras en vol, on aura le vent. Oui, alors d'accord. Le vent, tu peux l'afficher en vecteur perpendiculaire ou le vent d'où il vient et à sa force. D'accord. Donc c'est quand même pas mal ça, c'est vraiment de beaux avions. Hein. Ah, celui-là, ouais. Celui-là honnêtement, c'est le plus chouette. Quoi. Tu liras OpenFly, Pascal, quand tu vas lire InfoPilote, là, oui. C'est le sentiment de tous les gens quoi. C'est vraiment une Rolls, c'est on a de la chance d'avoir ça nous et puis de voler dessus quoi. D'accord. C'est cher en entretien. C'est cher en entretien, c'est ça le problème, ouais. C'est vrai que c'est un avion qui a une belle gueule en plus. Alors, et c'est peut-être en fin de parc, là on est dans le vert, c'est impeccable. Fin de parc serré, MFD, gaz 1007. Eh ouais, regarde l'appareil là, il est prêt à décoller là, il ne monte que ça. Eh ouais. Attends, l'autorisation de la tour. Fox, Juliette Golf, Flying Turbo, jour à niveau piste 08, autorisé décollage, vent 0,60 degrés, 8 à 10.
a là ce qu'on appelle le flight director là, que tu connais déjà. Donc là, quand on va décoller, je vais foutre mes moustaches sous le vecteur magenta. Ouais. Ensuite, on a le take-off, là, j'ai mis en dessous, enfin, ça c'est pour le directeur. Non, Charlie Papa, donc bonjour, après le départ du Robin, alignez vos pistes 08 dur et attendez. La gavette, devant Charlie Papa, après le départ du Robin, je m'aligne et j'attends. Bonjour, hein, Charlie Papa. Décollage là, Jean-Luc, pour pas que tu sois surpris, il faut te voir, regarde, comme le Robin, tout de suite après, il faut qu'on dégage à 120 degrés. À droite. Oui, voilà, tu sais, tu sais déjà, bon, ça parce que des fois, les pilotes, enfin, les peuvent être surpris, quoi. Ah, tu vois, là, alors là, c'est pas une photo, hein. Et... Non, Charlie Papa, piste 08 dur, autorité décollage, vent 0,70 degrés, 10 à 14 nœuds, trafic Robin, monte initial, tour de piste. Devant, Charlie veut pas autoriser décollage 08 dur et je vais pour le Robin devant. Parti. Allez, go. C'est parti. Et il est 10h55. Les vitesses sont bonnes. Rotation à 70. 100, 60, 70, 72. Décollage frein. Prends un peu la dérive, voilà les. Je reste sous le magenta. Il arrache, hein. 120 degrés. Il arrache. Oui, il arrache, oui. Je rentre les volets. Petite réduction, 95. Volet rentré, je garde la pompe. Phare, checklist, décollage terminé. Et il est où le Robin devant? Il est sur le côté là, tu le vois? Non. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bah, la tour a intérêt à faire gaffe aussi à ça quand elle est autorisée à décoller. Ouais. Et voilà Jean-Luc. C'est bien? Nickel. C'est bon de repartir. Effectivement, ça arrache plus que le Robin. Bon, je n'ai pas pensé à ce qui est pour quitter, au revoir. Donc là, je vais réduire. Sun, tu regardes devant si jamais il y avait un avion quand même. Hein, quand on va falloir que je réduis. Là, j'ai toujours le Fox de Golf Factory, il faut en dire qu'il est bonjour. Donc, si tu reviens, il va nous voir. Voilà. Tu vois, on est à 150, là, 153 nœuds, c'est la vitesse stabilisée.
150 nœuds, ça fait une petite différence quand même, hein. Ouais. Voilà, bon là on va se mettre sur Paris Info. 126 unités. Là, je switch. Paris Info de novembre 342, Charlie Papa, bonjour. Novembre 342 Charlie Papa, au décollage de Lung et à destination de Reims, 3 personnes à bord. Spandeur. Novembre Charlie Papa, une altitude avec le 70-11. 70-11, je suis à 1500 pqnh pour l'instant. Bah, il fait beau là, t'as vu ça, Reur? Ouais, c'est sympa. Là, je vais rechercher mon point UTLA, après on le repassera. Pour l'instant, je le garde jusqu'à là, tu vois, 15, parce qu'il faut 1500 pieds, max. Passer au milieu des villages. Voilà, et là, je vais après... J'armerai la navigation pour l'instant. Ce sera... Charlie Papa, bien pris. Et novembre, Charlie Papa... de trafic, on ouvre l'œil. Trafic, je n'ai pas d'information de vol. Charlie Papa, bien pris, je veille. Bah donc tu vois là, on converge sur UTLA. Et je vais armer la nave qui va se passer en blanc là. Voilà, le GPS en blanc. Là il va tourner tout seul tout à l'heure. Tu vois, on est à 156 nœuds, hein, Pascal, tu vois. 156. Il est entre 153 et 156, quoi, généralement. Jean-Luc, en bout d'aile à droite, Coulommiers. D'accord. Juste au bout. Là, sur cet avion, on a un TICAS, tu vois les avions autour? Oui. Ah, il est 300 pieds plus bas, 600 pieds plus bas, 600 pieds. On va commencer à virer tout doucement. UTLA, c'est l'antenne là-bas, là, tu vois. Quand? Là, il y en a un qui est devant nous, à 1200 pieds. Ah, c'est l'antenne UTLA? D'accord. Ouais. Ok. Oh, ben c'est nickel. Donc là, quand il va capturer l'axe, voilà, ça passe en GPS. Donc il vire, je regarde, je mets la main toujours sur le manche au cas où, hein. Là et là, jusqu'à Reims en direct. Là il va prendre l'axe, donc 100 pieds, il est encore assez loin là. Fox Hotel Alpha Echo Charlie, transpondeur 7003, désolé j'ai pas entendu le temps de destination. En 2325. On a un vent de 12 nœuds, 13 nœuds de face et 5 de travers. D'accord. Voilà, donc on est au GPS maintenant jusqu'à Reims. Fox Echo Charlie de Paris Info, vous êtes identifié radar. Identifié, Fox Echo Charlie. Pour l'instant c'est toujours 15, je vais monter après à 2500. Là on passe vertical UTLA.
novembre 39-953, Paris Info. Novembre 39-953, il est là, 8 minutes. Vous rappelez sur 126 unités. Oh bah dis donc, et t'as vu ça un peu sur ton avant droit là? Regarde le paysage et la vitesse où il défile. Ah ouais. Blop 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 blop. Mais tu fais vraiment la différence par rapport au Romain. Là je le reprends en heading pour éviter le bled là. D'accord. Ouais, Yankee 7124 Poitiers, je quitte la fréquence, merci à vous. Ah j'évite légèrement le village. Là, je suis en heading, en mode heading. Ah, pas comme ça. Ah. Là, c'est vraiment comme le CIMU, hein, par contre. Donc là, je peux monter. Je vais monter à 2005, je vais lui dire. Donc ça, c'est la Ferté Soule. Je prends son cœur de Charlie Papa, on monte à 2500 pieds QNH. Novembre, Charlie Papa, vous montez à Condensa maintenant votre séparation. Plafond, 2500 pieds QNH maximum. Charlie Papa, bien pris. Donc là, tu vois, je préaffiche. Préaffiche 2500 pieds. Et puis là, je vais faire IAS pour monter. Fox Lima Tango, bonjour. Fox Lima Tango, Paris, bonjour. Je vais prendre 130 nœuds. 30 nœuds en montée. Ouais. Et là, quand je serai à 2005, il stabilise. Tu vois, il va capturer l'altitude. J'ai mis 130 nœuds. Je suis au heading. Je vais le remettre en nav. Il va rechercher l'axe. Tu lui mets pas un taux de montée, tu mets une vitesse. Ah, une vitesse. D'accord. On parlera de tout ça après, mais... Tu montes, c'est toujours une vitesse. D'accord. Quand tu descends, vitesse verticale. Quoi ? Expliquerai, Jean-Luc. Là, tu vois, on a tous les paramètres. Destination fuel on board, il nous restera 55 gallons. On arrive dans 20 minutes. On est à 42 nautiques. Regarde. 200 pieds avant, il cut. Là, il va capturer. Donc, il a capturé l'axe GPS et il a capturé l'altitude. Et je touche à rien. Quel Là, je descends la mixture à 14,9, tu vois, comme on a indiqué là. Ah, je vais le garder à... Ouais, 15, c'est bon là, 14,9. Donc là, on a un avion au-dessus, 6200 pieds. C'est un avion de ligne qui va sur Roissy, là. Enfin, j'espère, hein. Bon, finalement, avoir un appareil photo sous la main et le décor sous la main, c'est impossible de ne pas en prendre. Donc là, on a une zone de voltige. Donc faire tes sous-joueurs en arrière et à l'avant gauche, quelque part, il va y avoir Château Thierry. Attends, on parle pas quand il parle parce que si jamais il m'appelle, il y a beaucoup de trafic, c'est dur, hein. Pas mal de trafic, Fox avec le Charlie. Fox Echo Charlie, vous gardez le transpondeur 7003, mais vous avez donné 7013. Alors, on arrive à Château Thierry. Affirme. Par là. On voit la bande d'ailleurs. Vois le terrain là, je sais pas si tu vois là où il y a un petit chemin là. Oscar India Alpha, Paris Central. Ah oui. Que veut dire enfin? Je l'ai ma frequency, contact as you like, lead information frequency 120 decimal 27 with a score VFR, score 7000 of a good day. Switching to 120275 and 7000 score, thank you and goodbye, que veut dire enfin?
là j'ai préaffiché SN. Il va me demander de quitter, je pense, dans peu de temps. Ah, est-ce que tu veux le prendre? Tu veux? Oh, c'est toi, c'est pas moi. Moi je profite du spectacle donc. Bon, quand je déconnecte en arrivant à Reims, tu peux le tenir si tu veux. Ouais, d'accord. 253 à Paris. C'est vrai que c'est agréable, hein, quand t'as tout, vraiment un avion de voyage, celui-là, tu vois. Et c'est vraiment comme le Cibu, là. Ouais, tu t'y retrouves, là. Pareil. Il y en a bien du 15 nœuds de face, 14 nœuds, ouais, comme prévu. Ouais, ouais, et puis tu vois, il file en vitesse indiquée à 150, entre 153 et 156, ça va arriver. Là, dans 2-3 minutes, il va me demander de quitter, je pense. Écho Charlie de Paris. Tiens, derrière à droite, nos gens. Écho Charlie, je voulais savoir, ce sera tout su via RPT. Ouais, on va faire un petit peu de manière encore. Château-Thierry. 7h dans les 2-3 nautiques devant. Bien. Avant de procéder tout su via RBT. Ah, le terrain est en bout d'aile là. Ouais, juste à gauche. Ouais. On arrive dans 12 minutes, 13 minutes. Ça va vite, hein? Rapide. Ouais. Alors toi, la vitesse seule 143. Quand on prend cette vitesse indiquée, on rajoute en correction température altitude. C'est la. Bravo Victor, India Delta Paris. La true airspeed. Tu rajoutes à ça 16 nœuds et t'obtiens la vitesse 153 moins 15. T'obtiens 139. D'accord. Ce serait possible de prendre un niveau de vol VFR, s'il vous plaît. Devrait m'appeler. Ouais, Reims est à un peu plus de 10 minutes là sur le SDVFR. Ouais, 11 minutes 50 et moi. 11 minutes, oui. Paris, info revanche en avant, Morin 918 Sierra Romeo. Sierra Romeo, je vous rappelle. Tu vois, je découvre le secteur, hein, je le connais pas celui-ci. Hein. Ah jamais, bon, j'ai ah jamais bon. Fait ce voyage comme ça là. Ah oui. Une fois à Reims, avec Sébastien. J'avais beaucoup d'autres choses à penser. Alpine, eh oui. 5 Tango Golf, Paris Information, contact Paris Approach, frequency 133.240. 133.240. Si je voulais voir le vent là de. En vecteur option 1, 49, 14 nœuds. Ouais, 53, 16 nœuds moi j'ai. On va le remettre là comme ça. Alpine 85 Tango Golf, contact Paris Information, frequency 133.240. 133.240, you read me? C'est un redoutable avion de voyage. Super. Quand tu montes aussi. Bah c'est clair là, t'es confortable là, bon bord. Et bien derrière Pascal hein. Un Pacha. Tu
Bordeaux-Savoie, ça reste mon préféré, hein, même si j'aime bien le Papa 2. Ce qui me plaît, c'est gérer tout ça, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, je suis à 2500 pieds. Et à Reims, 10 nautiques avant, je veux être à 1900 pieds, je l'affiche. Tu vois? Et lui, il va programmer la descente. Ouais, il va programmer la descente. Tiens, je vais voir si je peux le faire. Back offset. J'ai dit à aller à 5 nautiques. Et là, je vais être à 1900 pieds. Ouais, voilà. Et là, tu vois, il me fait un top of descente. Ouais. Tu vois? Et il fera le bottom of descente ici, là. D'accord. Donc là, si... Arme Vénave. Quand il va m'indiquer dans un bandeau, là, que ça va clignoter une minute avant... D'avant, Charlie Papa 5. Diesel de Reims. Négatif, on est à 9 minutes de Reims. Reçu. Vous rappelez pour quitter. Je vous rappelle pour quitter 5 minutes avant, oui. Golf, bravo, Echo, Kilo, Foscar, Paris 700 HM, Command and Guide. Golf, bravo, Echo, Kilo, Oscar, Cessna 182 from Auxerre to Colmar. 3 miles east of Auxerre, 2900, routing 2 east for flight information service. Je change la fréquence. Kilo, Star, Sophie, 7001. 7001, Golf, Kilo. Voilà, là je suis sur Reims, parce que là je vais pas passer sur Seine, il m'a pas laissé le temps en fait. Et Paris, novembre 342 Charlie Papa pour vous quitter, passez avec Reims. Novembre Charlie Papa, 7000 avec Reims, au revoir. 7000 avec Reims, Charlie Papa, au revoir, merci. Donc là je switch. Voilà. Là quand je suis à 5 minutes, je les appelle. Là, on est à 18 nautiques. Hein. Alors, hein, c'est là-bas, la ville. Voilà, là, voilà, tu vois où il y a les buildings. On regardera, on verra, on voit la cathédrale, c'est quand même chouette, il fait beau. Ouais, on est sous le bon angle du soleil. Là. Ouais. Ça va, Pascal? Avec. Hein. Là, je vais changer de réservoir. Hop. Alors on va le laisser pour une heure. Est-ce que t'es lourd Pascal à l'arrière? C'est vrai? Ah oui. Ah là, là. On ressent les 3 kilos que j'ai pris là. Ouais. Donc tu vois, vous voyez quand même dans cet avion, il y a beaucoup de travail. Quand on l'est seul à le prendre, quand on est deux, tu vois, on se partage les choses, mais quand t'es tout seul, alors il fait beau aujourd'hui, ça va, mais quand il fait mauvais, tout ça, il y a du travail. D'accord. Faut vraiment, et puis surtout, le sésame de cet avion, c'est ce pilote automatique, tu vois, ce bandeau vert que t'as dans le simulateur aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois avoir à l'œil en permanence, c'est-à-dire savoir ce que l'avion est en train de faire ou va faire. Alors, en vert, c'est ce qu'il est en train de faire, et le blanc, c'est ce qu'il va faire. Donc tu vas voir dans, tu vois le top of descente, on l'a dans 2 minutes 45. Ouais. Dans 2 minutes 45, il va y avoir ce bandeau là qui va clignoter, within 10 minutes, blablabla. Et là, je mettrai mon altitude cible de 1900 pieds. Et là, l'avion va descendre tout seul. Il va y avoir un glide qui va s'afficher là, tu vois, et ça va me donner le taux de descente prévu pour l'instant, 446 pieds, minutes. D'accord. C'est calculé par l'ordinateur, c'est quand même chouette, quoi. Ah, je vais les appeler. Hein. Reims, Reims Prunet de novembre 342 Charlie Papa, bonjour. Novembre 342 Charlie Papa, oui, info, bonjour. Ici SR22, novembre 342 Charlie Papa, en provenance de Long, à destination de vos installations, à 5 minutes, 3 personnes à bord. Reçu, mise en service 07, le vent du 010, 8 nœuds, QNH 1020, Foxcom 1008, rappelé en vue.
Je rappelle en vue donc 07 en service, peut-être pourrais-je faire une finale s'il n'y a personne dans le tour de piste. Direct. Rappelez en finale décalé, évitez le survol de toute habitation de proximité. Je vous rappelle en décalé, j'évite au survol des habitations comme d'habitude. Merci, à tout de suite. Ah ouais, race à gauche. Voilà. Donc là, regarde. Dans le top of descent. Une minute. Donc là, je vais commencer, on va commencer à réduire. Donc on va faire une finale directe, hein. Oui. Ok. Ok. Voilà, regarde, within one minute. Et là, j'affiche mon altitude sélectionnée. 100 pieds, tu vois, 1900, paf paf. Dans 50 secondes, il démarre. Alors je vais commencer à réduire un peu. Parce qu'on n'est plus qu'à 4 minutes. Mettre à 30% l'avion. Les phares, tac tac. Donc là, dans 33 secondes, il descend. Mais là, en fait, une fois qu'il aura mis la descente, je vais l'arrêter parce que comme on fait une finale directe, je vais le faire à la main. Hein. D'accord. D'accord. Donc regarde, l'avion, dans 20 secondes, tout seul, comme un grand. Il va descendre. En 7 secondes, 6, 5, 4, et là tu vérifies. Ouais. Voilà, il a pris le V-Pass. Vertical pass, et voilà, il va afficher. D'accord ? Ouais, ouais. Bon, là, je le déconnecte pour aller. Tu vois la piste, je suis juste en face là. Tu vois la piste ? Elle est juste en face là. Ouais. Et il faut que je prenne la 07. Hein. Ah, ok, ouais. Tu la vois la piste, ouais. Pascal ? Ouais. Juste en face de nous là. Ouais. Ouais. Donc je me décale parce qu'il faut pas survoler le village là. Donc t'as combien en vitesse d'approche là-dessus? Ah bah la vitesse, ça dépend ce que tu veux dire, 600 tours de piste. Ah la vitesse d'approche en finale c'est 80. 80 ouais. Ah, tu peux descendre 78 quoi, mais moi je le fais à 80. Ça permet de... Alors attends, je fais checklist là. Riche. Pompe. Phare. Terminée. Altitude. Ouais, on va le mettre. Alors là, c'est du 1000, c'est du 1004, je crois, ou 1003, dans 1004, oui, 1004. Ah, c'est le tour de piste normalement. Ah, je vais garder 1005 là. Un coup de trim. Réajuste un peu la puissance. Ah, cathédrale, ça y est, en vue. Voilà. Cathédrale en vue, oui. Juste à gauche, au centre, Jean-Luc. Ah, ouais, je vois. Charlie Papa, le vent 028, rappel piste dégagée. Rappel piste dégagée, Charlie Papa. Là, donc là, j'attends un cran de volet, on est dans la zone blanche. Voilà la piste. Donc là, faut pas survoler ces villages-là, c'est pour ça qu'on arrive malheureusement dans ce coin-là. Ah, ouais, faut que je fasse une baïonnette là. Donc pour l'instant, on garde 95. Altitude. Yes, lady. Tac. Plein volet. On trim un peu et je vais aller chercher 80 en vitesse. Voilà, 80. Et tu vois, j'ai un petit booster, enfin j'ai un petit toyton là aussi qui m'aide à viser la piste. Ça, c'est très utile quand il y a du vent de travers et tout ça aussi.
500. Aïe 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 aïe. Magnifique Gérard. Qu'est-ce qu'il y a Pascal, t'en fais pas autant? Ah non. Oh tu déconnes. Ah non. Bon. C'est un avion à... Jean-Luc, Pascal, c'est un avion à paramètres. Faut absolument tenir les paramètres. C'est un avion qui est lourd du nez aussi, faut toujours se méfier un peu. Mais un avion assez facile à piloter, il est assez fin. Et il est vraiment chouette cet avion, je trouve. Simplement surveiller tes minima, quoi. Il faut toujours, voilà, il faut toujours savoir, comme je te dis, ce que fait l'avion. C'est le secret. Et puis ensuite, Pascal, le jour où tu vas voler là-dessus aussi, il faut bosser avant. Ouais. Il faut travailler le simulateur, il faut bosser, il faut lire le manuel de vol. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui volent là-dessus et qui font rien. Attends, j'appelle le... 26 novembre, Charlie Papa, piste dégagée pour le parking. Reçu, roulé pour le parking P4, c'est tout au bout après la station essence dans l'herbe, à proximité du restaurant. Oh, j'aimerais plutôt au pied de votre tour avec cet avion-là, sur du dur. C'est possible? Eh bien non. Donc, ce sera où là, je vous dis, ou bien à côté, sur le P5, derrière oui. Un bimoteur et derrière un Robin. Vous me guidez alors pour le P5 peut-être? Ok, allez-y, c'est un parking tarmac qui est après la tour. Merci. Bon vol agréable, Jean-Luc. Ah, super, très ouais. Agréable. Non, ça fait secouer quand même aujourd'hui, ça... Il y avait des... Ah, quelques turbulences. Ouais. Tu as parlé d'un bimoteur. 07 en service, vent 030, 10 nœuds, QNH 1020, Fox Eco 1008. Là, il y a un bimoteur, mais il n'y a pas de roman. Fox Eco 1020, 07 en service, je rappelle en vent arrière 07. Whisky, rappelé en vue du terrain. Ah ouais, merde, c'est fermé, ah oui. Qu'est-ce qu'ils font sur la... Alors... Fox Hotel Whisky, je rappelle en vue du... De toute façon, c'est celui qui est à droite, là, ouais. Hélicoptère Fox, Romeo Victor, rebonjour. Charlie Papa, la prochaine bretelle à droite. Romeo Victor, rebonjour. Mise en route pour un départ vers le poste électrique de Reims. Charlie Papa à droite et ensuite vous le mettrez à la gauche du Robin et éventuellement vous pourrez manœuvrer à la main pour le mettre derrière le bimoteur et la queue du côté de la clôture. Oui, sauf que j'ai pas mal pour le tirer mais on va le faire. Oui. Ok, bah sinon vous mettez juste à gauche du Robin et puis voilà. Ah ben je me mets à gauche du Robin, Charlie Papa. Ouais, pour ok Victor, rappelez pour translater, toujours 07 vent 030 10 nœuds, QNH 1020, Fox Eco 1008, Romeo Victor. 07 1020, je suis en route, je rappelle pour la translation Romeo Victor. Fox Hotel Whisky, en vue du terrain. Hotel Whisky reçu, rappelez en vent arrière gauche, piste 07. Je rappelle en vent arrière 07, Fox Hotel Whisky. Charlie Papa au parking, à tout à l'heure, on va ressort. Ok. Voilà. Excellent. Fabuleux cet avion. Ouais, hein. Ah, ah, c'est vraiment un plaisir de voler là-dessus. La matérialisation de la piste, on peut aussi de l'avoir en simule, mais c'est une option payante. Ah, ah, c'est oui. Un système sans vision, tu sais, je sais pas quoi. Ce que tu as vu là sur la piste, c'est simplement une photo en fait. Hein.
tu sais, c'est pas une... Il ouais, y a pas de caméra, il y a rien. Voilà, alors, il y a... L'option existe sur ce Cirrus. Tu as une caméra infrarouge et tout, en plus. Ouais. Tu peux voir si tu atterris de nuit et s'il y a un cerf sur la piste, tu peux le voir. Ah oui, mais on n'a pas l'option sur celui-là. Mais c'est quand même assez fantastique, faut reconnaître.